Bienvenue au village du festival. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Puzzle, le film en compétition que nous avons vu hier. Il s'agit de l'émancipation d'une femme de plus de 40 ans. Mais surtout, c'est la rencontre entre Jacques Perotte et Kate Beckinsale hier soir sur les tapis rouges. Merci beaucoup. C'est incroyable d'être ici. Merci. On l'a vu à l'affiche de Beaucoup de bruit pour rien. De Pearl Harbor. I don't know where I am. Ou d'Underworld. Kate est d'origine britannique et elle adore la France. I started my career studying French at Oxford and I did my first movie. J'ai débuté ma carrière en apprenant le français à Oxford où j'ai joué dans mon premier film. Donc j'ai une vraie connexion avec la France depuis le début de ma carrière. It feels like it sort of ties everything together in a really lovely way. Il s'ensuit que j'ai eu une carrière plutôt schizophrène. Certains me voient comme une hippie corsetée à la Jane Austen, d'autres me prennent pour une mondaine américaine, et d'autres encore pour une fétichiste qui passe la plupart de son temps à sauter de haut des immeubles. J'espère pouvoir continuer à me faire peur à moi-même pendant bien des années encore. Kate Beckinsale! Puzzle est le premier film de Mark Turtletaub comme réalisateur. Il était déjà venu à Deauville en 2006 comme producteur pour Little Miss Sunshine, Grand Prix du Festival. Il revient donc avec Puzzle, portrait magnifique d'une cadra qui s'émancipe. Puzzle a reçu une ovation publique hier. Same thing. Bah une bonne crise de la quarantaine, une remise en valeur de la vie familiale. Mom just did a puzzle. Only children play with puzzles, Agnes. Le sujet, le Pulse, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'étais cet univers-là. Ah, mais univers du Pulse, très original. Donc le film, super. When you complete a puzzle, you know that you have made all the right choices. La fin est très, très anti-famille. C'est-à-dire que la femme s'en va toute seule. Libérée, délivrée, on peut dire ça. C'est dommage parce que tout le reste est très, très bien. Je pense que c'est un film très féminin et qui donnera du succès, y compris des femmes. C'est l'émancipation de la femme, et c'est vraiment poignant. Donc c'est un très bon film, que je recommande. You gotta tell me everything. I don't have to tell you anything. C'était trop bien, on nous a bien montré comment la femme doit être forte dans ses choix, et être libre et indépendante de tout ce qui est autour d'elle. To getting all the wrong pieces right.